Good morgen, allez, Iden, le soir aujourd'hui, le Nishmat, Fortuna, Mazel Fritna, Bat, Louise, Richard, Ben Fortuna, Mazel Fritna, Jeanne, Ruth, Bat, Fortuna, Mazel Fritna, François, Fragi, Ben Chana, et Claude, Shlomo, Ben Shalom. Si vous souhaitez aussi aider une prochaine issue de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étions à Sechet Kiddushin, Perek Aleph, Mishnah Dalet. Behema Gassa, Niknet, Behem Sira, Behadaka, Behagba'a. Divré Rabbi Meir, Verabbi Eliezer, Bachachamim Omrim, Behema Daka, Niknet, Behem Shira. On passe à un nouveau sujet dans notre Mishnah, comment acquérir les animaux jusqu'à maintenant. Mishnah Aleph, comment acquérir les femmes. Mishnah Bet, acquérir les Eved Ivri, les esclaves juifs. Mishnah Gimel, comment acquérir les esclaves Eved Knani, les Goy. Et à présent, on s'intéresse à comment acquérir un animal. On va expliquer d'abord qu'il y a trois, alors, de manière générale d'abord. Acquérir une chose, il faut faire un acte d'acquisition. Un acte d'acquisition pour les biens mobiliers, en théorie, il faut nécessairement le faire avec Bah. Si je te vends ce stylo, je te donne ce stylo, je te le vends, peu importe, eh bien, pour qu'il devienne le tien, il faudra le prendre et le lever. Bon, il est déjà, dès que tu le tiens en l'air, il est déjà levé. S'il est posé, il va falloir le lever. D'accord? L'acquérir en levant. Ça, c'est Agba. Maintenant, on n'est pas obligé de toujours lever. Il y a aussi moyen de tirer. Ce qu'on appelle la Meshicha. C'est pas. D'accord? Après, j'expliquerai dans le... qui est pour qui. Il y a encore un troisième procédé, beaucoup plus simple. C'est que le même de tirer, c'est que je donne la laisse à l'acheteur, à l'acquéreur, et ça devient le sien. L'acheteur. Ça devient le sien en simplement lui transmettant la laisse, que maintenant c'est lui qui le domine pour l'amener là où il veut. D'accord? Maintenant, donc on a maintenant, j'ai évoqué trois modes de kinanim, Agba'a, Meshicha et Messira. Agba'a, je soulève, Meshicha, c'est que je tire, et Messira, c'est que je donne la possession, je transfère la possession, c'est quelque chose de symbolique qui exprime, maintenant, c'est toi, il est dans ta main, tu en fais ce que tu veux. Ces trois modes d'acquisition, alors, ils ne marchent pas pour tout bien mobilier. Il y a des biens mobiliers où il y aura nécessairement le meilleur, le plus, c'est le Agba'a. Dans d'autres biens mobiliers, on permettra même la Meshicha, il y aura même d'autres biens mobiliers, on permettra aussi la Messira, le fait de transmettre. Selon la hiérarchie, le meilleur des kanim, c'est l'Agba, le fait de lever. Ça devient le tien, tu peux le prendre, tu l'amènes où tu veux. Meshicha, c'est encore pas mal, parce que cette fois-ci, c'est toi qui le dirige, mais c'est moins dans ta main que si tu l'avais soulevé. Et ça va être appliqué sur certains biens mobiliers, mais pas sur tous. Et Messira, c'est le simple fait de transmettre. Alors là, ça va être encore plus restreint. D'accord? C'est la hiérarchie pour le moment. La Mishnah enseigne maintenant. Behema Gassa, sache que si tu veux acheter une Behema Gassa, du gros bétail, une vache, les taureaux, même les ânes, même les chevaux aussi, ils rentrent dans cette catégorie, eh bien, ils sont tous Niknet Bemsira. On les acquiert avec Messira par le fait de transmettre. D'abord, je traduis la Mishnah. C'est celui que, de manière générale, comme je les ai mis en trois échelons, quand je te dis en transmission, ça signifie que si tu veux le lever, tu pourras aussi le lever, et après, fortement, si tu veux le tirer, tu pourras aussi le tirer. Mais juste, c'est pas la peine d'en arriver là, tu pourras même juste transmettre la laisse, et ça fonctionne pour acquérir, d'accord? Ça, c'est pour la Behema Gassa. Tandis que si c'est à Daka, le menu bétail, les moutons et chèvres, eh bien, il faudra nécessairement les lever Behagbaha, en les soulevant. Donc si c'est en les soulevant, je te demande de faire le top, ça marche plus même de les tirer, et même de leur transmettre de ma main. Ça, c'est l'avis d'Ivri Rabbi Meir. C'est l'avis de Rabbi Meir et de Rabbi Hazar, Eliezer. Tandis que Chachamim enseigne, non, Behema Daka Niknet Behem Shicha. Le menu bétail, il est acquis même en le tirant, c'est pas la peine de le soulever. De quoi ça parle exactement plus précisément, c'est simple. Je vous dis qu'il y a une hiérarchie entre trois kinanim. En théorie, on aurait voulu toujours que tu fasses la Akbar. C'est le meilleur des kinanim parce que maintenant, ça, il est dans ta main. Tu l'amènes là où tu veux réellement, c'est plus que de le tirer, il marche plus ou moins tout seul, et tu l'orientes un peu. Là, quand tu prends les choses, l'agba, c'est ce qui est le meilleur, l'agba, c'est dans la kinanim, c'est le meilleur de tous les kinanim en général. Du coup, ça aurait été la meilleure des choses, et n'importe quel autre bien immobilier, justement ce stylo, tu dois nécessairement l'acquérir avec baga, agba. Si tu commences à le tirer, il faut que tu comprennes, c'est pas un chien, on se prend même pas avec lui dans la rue, c'est pas du menu bétail, ça marche pas de faire la Meshicha. Et à plus forte raison, la Messira. Maintenant, pour les animaux qui sont très encombrants, très robustes, où tu fais pas ce que tu veux, il y a des animaux que tu peux pas soulever, même si tu voudrais,
Il y en a d'autres animaux aussi que même les tirés, ça ne marche pas parce qu'ils s'opposent concrètement. La Gemara rapporte que les chèvres, lorsqu'on les tire de force, elles se referment sur elles-mêmes, elles ne se laissent pas aller, tu vois. Donc du coup, la Mishnah nous a dit, écoute, selon chaque bien mobilier que tu vas vouloir acquérir, tu l'acquiers avec la manière la plus symbolique pour qu'il devienne le tien. Si tu as la possibilité de faire Agba, tu le fais. Tu n'as pas de possibilité parce que c'est compliqué, par exemple, c'est du gros bétail. Alors sache que le gros bétail, ben Magasa, Nikmin Bemsira, tu pourras même l'acquérir avec le plus bas des kénim, rien que le fait de lui transmettre, même si tu n'as pas besoin de lui tirer la vache pour la déplacer. Tandis que Vaadaka, le menu bétail, là c'est que Beagba, il faudra nécessairement le soulever, parce que le menu bétail, c'est pas tellement lourd à porter un petit bouton. Et donc si tu veux l'acquérir, tu dois le soulever. Donc là, si je te dis Agba, ça signifie que tu le soulèves, mais ça signifie que tu ne fais pas non plus de Meshicha ni de Messira. Ok? Ni tu le tires, ni tu lui transmets, ça ne marchera plus. Ça, c'est l'avis de Rabbi Meir, Rabbi Elazar. Rabbi Eliezer, plutôt. Les deux avis de Rabbi Meir et Rabbi Eliezer qui pensent que c'est comme ça qu'on acquiert. Avec le. Donc on a dit Bema Gassa, le grand chinouche, il va sur le Bema Daka. La Bema Gassa, le gros bétail, donc, en transmettant, et le menu bétail que tu devras nécessairement le lever. Sur ça, viennent Chachamim, Vachamim, non, Bema Daka, Niknit, Bemshicha, le menu bétail, tu l'acquiers en le tirant même, ça suffit. Pour quelle raison? Parce que. Alors, la Gemara l'explique. Parce qu'en général, comme le menu bétail, des fois, lorsque tu le tires de force, il se replie sur lui-même, il ne se laisse pas aller. Et là, le seul moyen. Excusez-moi, ça c'est l'avis de Tanakama. C'est pour ça qu'il faut nécessairement le faire avec Bah. Les Chachamim disent non, c'est pas grave. Il y a quand même les gens, si tu réussis à la faire avancer juste en la tirant, tu pourras aussi le faire en la tirant, parce que ça exprime aussi que tu deviens propriétaire sur l'animal. Il y a concrètement pour le Psak Halakha de la Mishnah, maintenant si ça vous intéresse, rapporté dans le Barthénois, il nous dit que Ben Bema Daka, le grand ou comme le menu bétail, tu devras toujours faire soit le Shira, le tirer, ou soit tu pourras même aussi le faire si ça t'arrange plus, de le soulever, même ça suffira. Pour l'acquérir. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine d'Hatzlacha Kol Tov.